En 3 jours de garde à vue et de perquisition, le juge en charge de l'affaire qui oppose le marchand d'art suisse Yves Bouvier au milliardaire russe Dimitri Ribolovlev a donc procédé à 9 inculpations, l'équivalent de nos mises en examen. La série a commencé par le patron de l'AS Monaco en personne. Le même jour, mercredi, son avocate Tetiana Bercheda, la femme et le fils de Philippe Narmino étaient eux aussi inculpés. Ce dernier ex-directeur des services judiciaires, l'équivalent de notre ministre de la Justice, a lui été inculpé hier, comme les 4 autres, pour trafic d'influence, corruption passive et violation du secret de l'instruction et ou du secret professionnel. 4 autres protagonistes du dossier complètent la liste. Christophe Agé, patron de la PJ Monégasque, son adjoint Patrick Fusari, Paul Masseron, ex-conseiller de gouvernement à l'intérieur, et enfin Régis Sasso, ancien commissaire niçois et ancien patron de la Sûreté de Monaco.